technology under threat from dinosaurs. Defending the peace. IBS World News. Hello, viewers. I am Ivy the Android, and here is the latest news. This is footage of last week's major dinosaur outbreak. As you can see, an exofighter unit was on the scene to stop the raptor swarms. IBS's superior dinosaur forecasting and cutting-edge exosuit technology were able to keep human casualties to zero. Exosuit development is proceeding under the guidance of the next-gen AI, Leviathan. Meanwhile, IBS continues to recruit candidates to become new exofighters, humanity's greatest hope. Here are the latest images of recently developed exosuits. IBS's advancements make our world a better place. And we owe it all to Hyzol. Technology for the future. Technology for you. Another exofighter recruit, right? Welcome to IBS. We'll begin by registering your data.
logging complete. Please proceed to the firing range. You will now take an exofighter aptitude test. Leviathan will provide instructions for operating exosuits. Do not deviate from Leviathan's guidance. Bonjour, je suis Léviathan, votre superviseur chez Aïus. Des guetteurs assureront votre sécurité en contrôlant vos performances car votre santé nous intéresse. Bienvenue au test d'aptitude d'exocombattant. Veuillez prêter attention à la présentation du fonctionnement de l'exosquelette version 932, Dedal. Tournez votre attention vers le guetteur et pensez à sourire. Et maintenant, déplacez-vous vers l'emplacement indiqué. Maintenez votre cap en franchissant ou en contournant les obstacles. Tirez sur la cible. Déplacez-vous sur les pistes situées à droite. Concentrez vos tirs sur les cibles éloignées. Essayez de sprinter vers la zone suivante le plus vite possible. Félicitations, vous allez maintenant participer à un exercice à balles réelles. Utilisez des dagues. Des cibles vont vous permettre de vous améliorer, j'espère que vous aimez tirer sur des dinosaures. Chaque exosquelette d'Aïus possède des capacités uniques. Le modèle des dagues dispose d'une attaque de zone appelée grenade à fusil. Envoie de nouvelles cibles. Activez une grenade à fusil pour éliminer les raptors. Des puces de fabrication peuvent apparaître pendant la mission. Prenez-les ces cadeaux. Allez récupérer la puce. Les puces de fabrication vous permettent de placer des objets fabriqués sur le sol. Placez un mur à l'endroit indiqué. Les murs arrêtent les attaques adverses, mais laissent passer celles de vos alliés. Envoie de nouvelles cibles. Chaque exosquelette possède une puissante capacité utile. Essayons-la. Utilisez la salve groupée du Dedal pour détruire le mur et tuer les raptors. Entraînement du Dedal terminé. Changez d'exosquelette à tout moment via changement d'exosquelette. Passez maintenant au modèle Roblox. Disengaging. Le modèle Rotlock dispose d'un bouclier de points. Utilisez les attaques standard pour éliminer les cibles. Utilisez la capacité provocation pour attirer l'attention de ce dinosaure. Activez provocation maintenant. Utilisez mur balistique pour vous défendre des raptors. On ne passe pas. Souffle de bouclier repousse les dinosaures situés devant Roadblock. Entraînement de Roadblock terminé. Les outils augmentent vos capacités prévenant ainsi les problèmes. L'outil canon est parfait lorsque vous avez besoin d'un laser à longue distance. Envoie de nouvelles cibles. Éliminez les cibles en utilisant l'outil canon. Équipez-vous pour survivre, choisissez l'équipement qui correspond à votre mission. Maintenant, enfilez le Witch Doctor. You got it, pal. Le modèle Witch Doctor est un soutien qui supporte son équipe. Cet exosquelette possède une attaque qui paralyse les cibles préhistoriques. Paralysez vos cibles pour les arrêter. Le champ de réparation du Witch Doctor soigne et répare les alliés.
Activez le champ de réparation maintenant. Don't go breaking down! Utilisez alimentation pour réparer votre allié. Le dominateur est l'arme ultime pour contrôler les dinosaures. Équipez-vous du dominateur pour commander des dinosaures au combat. Équipez votre dominateur. Activez votre dominateur et tentez d'invoquer un Carnotaurus. Prenez le plein contrôle de cette arme biologique pour détruire les exosquelettes de test. Que vous fassiez l'affaire. Retournez à la salle de briefing et attendez vos instructions. Well done. Calculating aptitude test result. Result: exemplary. Congratulations. You are now a member of the IBS family. As a new exofighter, IBS will be assigning you to an extremely safe detachment. Patrol Unit number 52585, codename the Hammerheads. We look forward to seeing you grow with IBS. IBS promptly formed a committee tasked with investigating the cause of the incident at Sekitoro. Some involved playing with a rogue AI Leviathan and operating under the influence and sophistication of an AI disturber. No such thing happened. So, Sekitoro Island is in the government. It is. IBS opened up the Leviathan malfunction. Can you address the reports of exofighter patrols on the island? Reports of exofighter patrols are simply untrue. IBS is committing all possible resources to the investigation. Get out! We don't exist. Hey, what do you think this is? Bang's boarding house? You want something to do? Go get that suit of once over. Another year of fixing your suit, huh? Well, I'm too big to dance. Too old to see. Come on. Check me off, Quaker. Absolutely not. What's the matter, Ace? Circling Leviathan day and night boring you? No, I'm ready. I'll be all Swiss Army knife on the side. If that doesn't make for a great technician, I don't know what does. Patrol. Patrol what? Nothing has come on or off this island in 3 years. We're assigning you to a new team. Don't think of it as a demotion. Think of it as Well, Leviathan's right there. You think it can see us? Attention crew. Vortex warning from IBS HQ. We're not on dino duty today.
Vortex hazard level 5. Tell you what. Heads, we'll go check it out. Tails, not our problem. Not our problem. Oh, fucking blasted! Chief? Sandy, out of curiosity, where is that vortex? There. Get that thing out of here! Move your ass. Bonjour, je suis Léviathan, l'IA qui vous guidera. Bienvenue sur l'île Bikitoa. Sous ma surveillance constante, Ibius exécute sur cette île ses recherches et expériences les plus importantes. Super nouvelle! Vous avez reçu une autorisation exceptionnelle à participer au programme de recherche et développement d'Ibius. Je vous permettrai de survivre si vous démontrez des capacités exceptionnelles au combat. Sachez que votre participation est obligatoire et que vous ne pouvez pas renoncer. Ibius vous emploie, vous devez donc suivre mes ordres. Initialisation de l'intégration dimensionnelle. Sujet de recherche, exocombattant. Transfert vers de nouvelles simulations de guerre. Bienvenue dans mon laboratoire de recherche.
be? Standing there like you never shot a dinosaur before? Huh. All right, Ridley. I'm gonna show you the ropes. La prochaine simulation de guerre inclura des exocombattants fraîchement formés. Préparez-vous à l'initialisation. Nearly hired, eh? Oh, good luck to you, rookie. Transport dimensionnel initialisé. Oh yeah. Teams of firefighting these war games, you know? Man, we aren't the only nut jobs risking our hides. Ready to win? Mort augmente probable au-delà de ce point. Risque de grand stress cardiaque. Suivez mes instructions pour vivre une simulation de guerre satisfaisante. It ain't kidding either. Do just as it says, and you'll be fine. If you want to survive, you better complete the assignment. Exocombattant, suivez le Getter. Initialisation de la mission élimination. Préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Envoie de nouvelles cibles. Engagez le combat contre les Raptors et éliminez-les. Shower him with lead and put him to bed. Avertissement, vous risquez d'être cerné. Listen up, Hardcase. It's either kill or be killed out here. Don't want to end up dino chow, do you? Merci. Ah, he's still breathing. Not bad. Veuillez passer à l'objectif suivant. Let me fill you in on a neat little trick. You can view mission info by bringing up help navigation. Use this when you're in a pinch. Engagez le combat contre les Pteranodons et éliminez-les. Ah, Pteranodons. Keep your eyes on the sky. Those dickheads have done Zephyrin. Go over there and give them a recall. Zephyrin, go over there and give him a recall. You're not going anywhere. Nice. Don't do that. Yeah, remember, good. If you see an ally down, go help him. Deuxième objectif à l'heure. Votre prestation m'a fourni une précieuse donnée de combat solaire. You're getting pretty good at this. Keep it up. Veuillez passer à l'objectif suivant. You catching on yet? Leviathan runs these war games and pulls hundreds, thousands of exofighters from other dimensions right here to beautiful Bikotoa Island. And that includes you and me, Hardcase.
engager le combat contre les Triceratops et éliminez-les. Now that's a big one. If you don't want another hole, then don't get in front of that thing. Play it safe. All right. Roadblock. Stop it in its tracks. Good. Now hit him with your overdrive. Objectif atteint. Vous avez fourni de formidables données de combat contre les Tyrannosaures. Looking good over there. Teamwork pays off, eh? Exocombattant, veuillez procéder vers l'objectif suivant. Not sure if you've noticed, but it's the year 2040. We're on Bikatoa Island the day the Stratovator came down. Leviathan was operating war games then too. And those war games are run on repeat day after day so that mugs like you and I can fight in them. Over and over and over. I'm sure you've got questions, so listen up. We're going to be sent back to our dimensions when this war game's done. You might have seen a corpse on the ground before Leviathan yanked you. Those bones are wrapped around a device. Scoop it up and connect it to your carrier. Vos données sont en cours d'analyse. Mise à jour de votre dossier. À spécimen exceptionnel, menace exceptionnelle. Envoi d'une nouvelle cible. Engagez le combat contre le T-Rex et éliminez-le. Leviathan's gotta be taking his piece. It's your first day on the job. We're up against one of those. Zephyr's trash! Exercice enregistré, clôture de l'instance temporelle. Bonne journée à vous. Another die, another dinosaur. That's Hasselhard, guys. Hey, like this. For luck. See you around, mate. Ugh, what is in this thing? Tequila, creme de menthe, and my secret ingredient, Scotch bonnet peppers. Oh. Okay. I think I got it. Think? Here we go. One, two,
three, four. Well, just. Oh. Oh, yep. I definitely got it. No response on all radio frequencies. Connection to IBS network failed. Forget the network connection, Sandy. Just try to contact Ace. Ugh, if Ace would have survived, they would have checked in by now. You're underestimating his team, Your Majesty. Just stop calling me that. Oh! Sorry, bit of a pinch there. Ace is gonna make it. Yeah, the Chief's right, you Madge. I mean, Ace might not have called in, but you know these strong silent types are. I slapped my ball bearings. Ace really isn't dead. Welcome back, Ace. How may I assist you? What have you done to my baby? She's a wreck. If I am unwanted or burdensome, please. Exocombattant, bienvenue dans la simulation de guerre. Je suis l'intelligence artificielle avancée Léviathan. Attention, j'exige que tous les exocombattants participent au test de combat. Il s'agit d'un scénario compétitif à deux équipes. Les membres de l'autre équipe sont vos ennemis. La première équipe à atteindre tous les objectifs attribués remporte la victoire. Pour récompenser l'équipe en tête de lice, elle aura le privilège de continuer à vivre. Les êtres humains livreraient de meilleures performances en compétition. Rappelez-vous, combattez pour gagner et pour exister. Rappelez-vous, combattez pour des recherches d'excellence. Préparez-vous, vous avez un voyage interdimensionnel et un combat à venir. Les simulations de guerre offrent des opportunités de progression. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour combattre un essaim de dinosaures. Les dinosaures que je vous propose dans la simulation de guerre sont exceptionnellement féroces. Attention, la mort est virtuellement assurée pendant la durée de cet exercice.
Suivez le Watcher. Un exercice de combat contre les dinosaures a commencé. Exocombattant, suivez le Getter. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, invocation de Raptor. Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Raptor. Nice work. De Raptor. Thank you. Invocation de Raptor. Vous accomplissez vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Pachycéphalosaure. Nice work! Vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, venue patiente. Invocation de Raptor. Invocation de Pteranodon. Invocation de Raptor. Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Raptor.
accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat. Veuillez patienter. Invocation d'un Triceratops. Agissez rapidement pour rattraper votre retard de performance. Avertissement, vous allez entamer la dernière mission. Préparez-vous pour le voyage interdimensionnel et le combat à venir. La dernière mission sera escorte. Être à proximité du cube de données le fait avancer. Escortez-le jusqu'à l'objectif. Si le cube de données est détruit, restez à proximité pour le réparer. Bravo. Vous faites désormais face à l'équipe adverse. Une mission accomplie fait le bonheur de tout exocombattant. Restez à proximité du cube de données afin de l'escorter et accomplir la mission. Invocation de Raptor. Invocation de Pteranodon. La progression du cube de données ennemies a atteint 20%. Invocation de Pteranodon. Invocation de Raptor. Un dominateur a été généré pour votre équipe. Utilisez-le pour contrôler un dinosaure et l'amener à attaquer l'ennemi. Progression de l'escorte, 20%. J'ai attribué un dominateur à l'équipe adverse. Il risque d'envoyer un dinosaure en scandale. Dominateur actif. Servez-vous de cet avantage précieux pour éliminer vos ennemis avec fureur. Invocation de Pteranodon. La progression du cube de données ennemies a atteint 40%. Vos alliés sont passés à l'offensive à proximité de l'équipe ennemie. Progression de l'escorte, 40%. Attention, l'équipe adverse a activé un dominateur. Un dinosaure contrôlé par l'ennemi est en approche. Éliminez-le en priorité. L'équipe adverse passe à l'offensive. Contre-attaquer. Le cube de données a été détruit. Restez à côté pour déclencher sa réactivation. Invocation de Pteranodon. Invocation de Raptor. La progression du cube de données ennemies à 80%. Voilà un combat bien équilibré.
progression du cube de données ennemies atteint 90%. Pensez à attaquer directement les autres combattants adverses. Exercice de combat terminé. L'équipe adverse a réussi à accomplir ses objectifs en premier. Vous avez perdu. Super nouvelle. Vous avez reçu la permission pour survivre. Vous êtes le spécimen idéal pour participer à une expérience capitale. Votre nouvelle affectation est la simulation de guerre. Explorez la totalité de votre potentiel de destruction lors de luttes sans merci contre des dinosaures et d'autres exocombattants. J'ai besoin de récupérer les meilleures données de combat possibles afin de pouvoir développer le meilleur des exosquelettes possibles. Remplissez votre mission, survivez à la simulation et générez des données de combat exploitables. Sujet de recherche exocombattant. Simulation de guerre, répétition infinie. Humain. Combattez et mourrez pour moi. Majesty, Can I be of assistance? I just need a circuit jump here. Oh, well. And voila. Not everything can be fixed with robot arm. Oh, Majesty, you wound me. Okay, Sandy, open a connection. Connection ready. Ah, I got it working. All right. How you doing, mate? Oh, you the rude boy that pulled my pilot's feet out of the fire. Mm-hmm. Tell me, what kind of name is Mike Norman? Well, when we get out of here, you can ask me, man. You get that seat fixed up yet? We got our priorities. I'm making sense of this situation. War games and parallel worlds. You've been living cloudy with a chance of Raptors for 2 years. Is this a bigger part to you? Three years. Three. You're somewhere on this island. That's the only explanation. And I'm Forenza. You grew up wanting to design race cars, right? With your little sis. Only you end up doing this.
it. Hey! That's enough! I'm not saying funny here, Ross Clot! Chief, you want to try talking to Parallel U? Another one. Still handsome. Oh. Indeed. I don't sweat him, mate. You the Renzo's never swallowed this stuff. That's why I gave Ace that coin. Yeah, that's Parallel World money, mate. Magnum, yeah, have you, seen one of me over there? Oh, mate, I've never seen one of you. Nice hardware. Reckon he's lifting, eh? Now, wait a minute, I'm not... Now, listen up, Leviathan's got our plums in the blender. It's trying to build stronger exosuits, so it's pulling any extra fighter it can get hold of back in time with these bloody war games. Now you win, your fabulous prize is more bloody war games. Hey! And you lose, you die. And your old crew starts to die. Well, that's not an option. No, no, big girl. I reckon it's not. So one way or another. Chers membres d'équipage, préparez-vous à l'intégration dimensionnelle dans 10 minutes. See? Soon you're gonna be back in 2040. But remember, you need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. All right? You stay alive, mate. How are you? Chief, what was that? Chief, there were two of you. I don't understand. I don't think I believe it. And I know I don't understand it. But right now, we got a suit to fix. Let's get to it. Something wrong, Madge? I've never heard the Chief raise his voice like that. Oh, when he spoke about Haruka, it's the Chief's sister. She died. I mean, it's in his file. I mean, Sandy has it. She has all our files. Have you not read them? Absolutely not. It is inappropriate to read that. Wait, have you read? Is that my file? Are you reading? Did you read my file? I would never, just the teeniest. Ace, listen to me, okay? You have to find one of me over there. It's not funny, Ace. Ace, I could be talking to myself. You're doing it now. I am available for tactical support and mental counseling. More data is required in order to escape from this island. Exocombattant, bienvenue dans la simulation de guerre. Je suis l'intelligence artificielle avancée Léviathan. La dernière partie ne s'est pas terminée de la meilleure des manières pour vous, mais il y a eu un certain nombre de points positifs. Pour le bien de mes recherches, redoublez d'efforts.
transfert vers la zone de combat. Profitez bien de la simulation. Transfert terminé. La simulation de guerre va commencer. Bonne journée. Un exercice de combat contre les dinosaures va commencer. Exocombattants, suivez le guetteur. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Raptor. Invocation de Raptor. Vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Pteranodon. Invocation de Raptor. Vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Pteranodon. De Pachycéphalosaure. Thank you. Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Initialisation, défense de zone, préparation de la zone de combat, patientez. Vous devez défendre la zone indiquée. Rendez-vous dans la zone à proximité du repère et défendez-la. Invocation de Raptor. Progression de la défense de zone, 25%. Invocation de Raptor. We need to make sure we have more big planets. Invocation de Pteranodon. Progression de la défense de zone, 50%. Invocation de Raptor. Progression de la défense de zone, 75%. Invocation de Raptor. Défense de zone, terminée. Vous accomplissez vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. Initialisation, défense de zone, préparation de la zone de combat. Passons.
I'm close. Rendez-vous dans la zone à proximité du repère et défendez-la. Invocation de Raptor. Invocation de Terranodon. Progression de la défense de zone, 25%. Invocation de Pachycéphalosaure. I can't deal with Pteranodons for shit, but I can deal with the Pachycéphalosaurus. Invocation de Raptor. Progression de la défense de zone, 50%. Invocation de Raptor. Invocation de Pachycéphalosaure. Progression de la défense de zone, 75%. Avertissement, vous allez entamer la dernière mission. Préparez-vous pour le voyage interdimensionnel et le combat à venir. L'équipe adverse a atteint la dernière mission. Plan pour rattraper votre retard de performance. La première équipe à atteindre tous les objectifs attribués l'emporte. Remplissez votre mission et générez des données de combat exploitables. De Pachycéphalosaure. J'ai attribué un dominateur à l'équipe adverse. Il risque d'envoyer un dinosaure vous envahir. Invocation de Raptor. Invocation de Pachycéphalosaure. Attention. L'équipe adverse a activé un dominateur. Un dinosaure contrôlé par l'ennemi est en approche. Invocation de Raptor. Ultimates, use ultimates if we got them. Burn this fucker down. Invocation de Raptor. Invocation de Pteranodon. I might even fucking use this. Holy shit. Obviously, the final stamp is the final score put together. Pull your fucking fingers out, that's the time. Yeah, come on. Elimination. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. We are getting fucking slammed right now. Stop pulling your fingers out, let's go. Invocation d'un triceratops. Invocation de Raptor. Still fighting it, they've only just killed it. Which means we are very, very close in terms of like gap closing. It's
Let's go. Just killed their entire fucking team. Let's go, boys, hurry up. Exercice terminé. Vous avez gagné. Tout porte à croire que le potentiel de cette équipe est immense. Vous disposez d'un temps de repos avant le prochain exercice de combat. Profitez au maximum de cet incroyable avantage offert aux employés. We had a bot on our team? What the fuck? And they still got smoke? Oh lord, that's embarrassing. Voici les meilleurs exocombattants de cette simulation de guerre. Alrighty, I think we've got our first step to making sense of this cluster flip. Have a gander. This was shot from the carrier's nose camera as we were crashing. This is the first glimpse of Pikatoa anyone's had in 3 long years. The place is shattered. I can't see a single light on anywhere. In all likelihood, we're alone. Well, unless you count Leviathan, I guess. Sandy can get all kinds of info, even from a simple image like this. Even this limited data has yielded preliminary results. Still, the real gold mine is 2040, not this pile of overgrown ruins. We'll pull data straight from the source. Okay, let me grab Madge and the Chief and
we'll see where we stand. Sandy, love, be a dear and open the file on the Bickertoa incident. Certainly. The year was 2040, at exactly 4:58 p.m. on August 16th. Cable of the Stratovator, which joined the IBS research compound to the station in geosynchronous orbit, experienced a catastrophic failure. The failure precipitated a partial collapse onto the island below. The incident functionally eradicated Tuvao City. An estimated 215,000 human lives were lost in the main population center of the city. The debris weighed approximately 300,000 tons, and the energy released by its impact was equivalent to 20 million tons of dynamite. But according to these logs, the collapse was preceded by a mass dinosaur outbreak. Yes, the very first. And now we know that outbreak was courtesy of Leviathan. There must have been some kind of evacuation effort. Sandy, is there any data on how many people made it off the island? Debris from the Stratovator's impact created a 60-meter tsunami that overwhelmed the majority of the civilian escape vessels. Total known survivors, 413. Lord Almighty, 500,000 people. Correct. IBS records indicate less than 1% of the population survived the incident. And Leviathan's kept the island sealed off ever since. We are the first living people to see the outcome. And is you're telling us you were there in 2040? Physically, you saw the Stratovator collapse? And Leviathan just happens to be running his war games right before worst industrial disaster of our time. Perfect. Just perfect. At least this puts things into perspective. A new war chest is available.